Hey, salut à tous, bienvenue sur Passion Gaming Show, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Layers of Fear, donc c'est le cinquième épisode, je crois. C'est ça, normalement 5 objets, donc je sais pas trop ce qui va m'attendre par la suite. Je sais que c'est devenu un peu plus stressant sur les épisodes précédents, du moins sur les deux derniers. Avant de démarrer, je vais vous faire une petite précision. N'hésitez pas à aller voter dans la description pour le prochain Horror Show qui commencera, je pense, dans 3 semaines, normalement à partir du mois de mai, si tout va bien, j'espère. Deuxième petite chose aussi que j'ai à vous dire. Oui, donc je vais certainement faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais tourner un épisode assez long. Je pense que je vais aller même jusqu'à la fin. Je vais couper entre deux pour que ce soit pas trop long pour vous. Je sais qu'il y en a certains qui connaissent déjà la fin et certains qui aimeraient justement que je sorte une vidéo assez longue, mais on va couper entre deux, ça sera beaucoup mieux. Donc ça sera une vidéo de 20 minutes, on verra comment ça se déroule. J'ai déjà assez peur comme ça. Pourquoi elle s'ouvre pas la porte? Ouf toi. C'est une blague. Ah d'accord, elle se referme tout seul. Alors. Oula, 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 c'est quoi cette merde encore? Merde. Ok. Ah. C'est quoi dans l'eau? J'arrive pas à voir. J'imagine qu'il faut que je tourne. Ok, ça me dit rien qui vaille ce genre de passage. Ok, j'imagine que ça va être de pire en pire, c'est ça? Ah, ok, un coffre. Ok, c'est fermé. Going in circle. Going in circle? Ah, là. Là. C'est fermé aussi. Oula. Ah, c'est juste des bouquins. Ok. Ah putain, c'est quoi ça? Il n'y avait rien dedans. Putain. Allume la lumière. C'est quoi cette zone de fou encore? Alors. Encore. Ok. Ah putain, ça fait bizarre les effets vidéo là. Ok, donc je peux voir une porte. Ok. Je peux ouvrir toutes les portes. Ok, c'est quoi ça? Putain, c'est de pire en pire cette baraque. Je me demande si c'est là. Si là ça se passe actuellement. Ça veut dire si vraiment la baraque elle est dépouillée comme. Comme c'est là actuellement. Ou si c'est juste une vision qui donne un effet Enfin, la maison elle est carrément abandonnée en fait. Là c'est ça le truc. Est-ce que je suis vivant maintenant? Du coup je me pose la question. Comment on fait pour se baisser? Papa. Y a rien dedans. C'était pas la pièce. Je suis pas déjà allé ici. Je suis pas en train de faire une demi-tour, moi.
Non, non, non. Je dois faire quoi? Je dois avancer. Ça, c'est. Oh putain, je m'attendais pas à ce qu'elle me fasse, je pensais qu'elle se serait barrée. Ah c'est quoi ça? Ah dégage. Pas du tout. Ouais, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais mort. On peut dire que tu t'es chié dessus mon petit. Oh putain. Je pensais vraiment qu'elle se serait barrée, parce que c'était un peu trop facile, je trouvais que. Qu'elle soit juste en face de moi, mais bon, bah, en fait, je me suis fait avoir. Fermer la clé, forcément. C'est quoi qui se balance? Je vois pas. Ah, ça doit être dehors. Il était pas difficile à trouver celle-là. Ok, tu vas te calmer toi. Il me montre quelque chose. Peut-être que franchement j'ai pas le choix de le suivre, il n'y a qu'un seul chemin. Je fais quoi? Je dois le suivre encore? Ouais, bon, je vais le suivre. Ils m'attendent, de toute façon, j'ai pas le choix. Putain, mais c'est quoi cette. Putain, c'est quoi ça? Vous imaginez habiter dans une baraque pareille, avec des couloirs pareils? Ouais, je peux pas te suivre, hein, désolé. Ok. Ok. T'as rien du tout. Putain, mais. Dieu! Costaud celui-là. C'est quoi ça? Dog. Rat. Chat. Et donc. Oh là là. Pas tout compris mais où je dois aller en fait, c'est ça le truc maintenant du coup, parce que alors c'est une bonne question. Ok, génial. Ah d'accord, ok, bon, à mon avis il faut que je récupère le numéro via le truc, donc le chien. Ah, c'est le rat normalement. Donc il faut les trois numéros du rat. Donc il y a le 6, il y a le 8 et il y a le 7. Je pense pas que ce soit ça, hein, si. Il y a le 6, le 7 et le 8. Je pense pas que ce soit aussi simple que ça. 6, 7 et 8. Non. 7, 8 et 6. 8, 7 et 6. 6 et 7. Bon, bah, c'est pas ça. Ah, putain. Ça aurait été un petit peu trop facile, je crois. Alors, comment. Mais je dois faire quoi en fait? C'est ça le problème du coup, parce que. Pour moi, c'est le rat que je dois. Enfin. Ok. Bon bah oui les amis, c'était bien ça, hein. C'était ça, le 6, le 8 et le 7 en fait. Et j'ai cherché pas trop longtemps en fait, je me suis dit il y avait que ça comme solution. Donc ça va. Donc c'était 6, 8 et 7.
Et là, j'ai peur. Et je boite toujours en plus. Toi, tu vas te calmer. Puis comme par hasard, j'ai 15. Merde, mais je vais où moi? Oh non. Oh non, j'aime pas ça. Putain, ça fait mal aux yeux, hein. Bon, je vais vous laisser lire. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein. Débris d'amour. En tout cas, c'est vraiment un très très bon jeu. L'ambiance, elle est vraiment vraiment oppressante. Hein. C'est pas vraiment à quoi s'attendre. Je m'en doutais un peu. Là. Alors, où c'est qu'on est? Mais là, par contre, la musique, elle est un peu trop gentille, du coup, ça me fait un peu peur. Puis là, oh. Puis j'allais dire, puis là, on enchaîne les pièces en plus. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do le fameux cache-sexe. See? But can you paint? No? Ça avait l'air d'être un sacré enfoiré ce mec là en fait. Hein. En manque d'aspiration, j'ai l'impression que. Il est plutôt flippant ce con en fait. Et ça c'est quoi ça? Toi tu vas reculer de plus en plus. Ok, je m'en doutais un peu. Oh putain, si ça s'ouvre, je vais me chier dessus. Je m'en doutais, c'est quoi? C'est quoi? Ah, ça se rapproche. Non? Ouh! Hello, quelqu'un? Ah si, c'est bon, il est là. Ok, bon, c'est bon. C'est bon, c'était rien de grave. Tout va bien. Tu vas pas m'emmerder, toi. Bon, je vais à la gauche, là. Je sais pas si c'est conseillé. Tableau, je peux pas voir. Tant mieux, ça m'arrange en fait. Mais putain, mais comme toi là, c'est bon, j'ai rien fait moi, j'ai juste une manette Xbox dans les mains. Et puis là, ça devient bien trash, j'aime pas ça. Là que ça commence à devenir vénère à mort là. C'est quoi ça? C'est bizarre. C'est pas très très commode. Ok. Je sais pas pourquoi je me penche chaque fois pour voir ce qu'il y a de sur le côté. C'est un. Ouais, bah je regarderai pas. Putain, mais me casse les couilles! Ma faute, j'aurais pas dû regarder, je crois.
Pourtant, ils ont dit, hein, don't loot back. Ben, j'ai regardé, moi. Elle arrête pas de me démonter depuis tout à l'heure, là. Je suis en train de prendre cher. Oh, j'ai des frissons partout, là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? A little pain goes a long way. Et quoi? Un peu de douleur fait des miracles. Ok. Et donc? Ah, c'est quoi ça? Ouvert, c'est à l'air ouvert, non? Non, pas encore. Si, c'est ouvert là. Non, c'est pas ouvert. Ah, désolé, j'ai pas fait exprès. comment ça, c'est bon? Ah. Ces putains de rats, c'est fait pour dire regarde à gauche, mais faut regarder à droite en fait. C'est quoi ça encore? Okay. Bon, c'est bien par là. Il y a quoi ici en fait? Ah, il y a un truc à ouvrir, je crois. Je peux pas y aller. C'est un petit monsieur. Alors, bon, je vais faire demi-tour en fait. Bah ouais, apparemment, je dois faire demi-tour, merde. Pas loin en fait. Bon, je me casse d'ici en fait. Hein. Ah, l'ascenseur. J'ai toujours peur de me retourner dans ce putain d'ascenseur. Par contre, je fais quoi du coup? Est-ce que je peux choisir un côté ou pas? Ah, du coup, je peux choisir. Hein. Bah, par là alors. C'est là où il y a du sang donc. Oh putain, c'est une blague, sérieux là? Ah, oh, j'aime pas ça, puis ça bouge et tout là. Oh putain. Ça, c'est une blague. Ah putain, je m'en doutais, hein, t'es dégueulasse. Putain, c'est stressant.
La merde alors. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Oh putain. Putain, là, elle passe à l'action, hein. Putain, j'en prends plein la gueule. Là, je vais faire quoi? Je vais tomber? Ah, c'est un fameux objet, ça y est. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horde ran down. Hickory dickory dock. Je crois que c'était le fameux objet à trouver, ça. Putain, je dois aller où maintenant? Je fasse demi-tour, sûrement. De toute façon, la pièce, elle a sûrement changé. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est... Puis je vais me retourner, je vais me faire défoncer, c'est ça. C'est bon. J'ai plus confiance. C'est quoi ça? Je vais me barrer d'ici vite fait ça là parce que. Arrêtez de me faire chier là, merde. Oula 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 oula, calme-toi, calme-toi. Ah, j'aime pas, il est pas beau lui en plus. La dernière fois que je t'ai vu, c'est passé des choses. C'est quoi ça? Téléphone, où est le téléphone? C'est quoi ces pièces? Mais où le téléphone? Ring ring. Il est là. Non, peut-être que je le repousse. Non, il est bien derrière le mur, hein, là. Je me disais aussi. Que je dois faire maintenant. Vas-y monsieur. Qu'est-ce qui se... Ah, non. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a forcément un autre bouquin ou un truc comme ça alors. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux, il est tombé dans les airs. Il n'y a pas un autre bouquin à bouger là? Et ça c'est cool. Bah merde alors. Wow. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, j'ai un numéro à taper, mais faut que je le trouve. Cinq, six, trois. Merci. Comme quoi, ce tableau-là, il est pas si méchant que ça. 5, 6, 3, et c'est ça, non? Ah merde, c'est pas 3, 6, 3 plutôt, merde. Ah si, autant pour moi. Ah, on va la refaire, voilà, 3, 6, et 3. Bah écoute, je l'ai fait là. 3, 6 et 3.
crois que c'est... Non. Au-dessus. Ah, c'était juste ça. Ça, c'est con, en fait. Eh ben... Ça me dit toujours pas comment je décroche le téléphone. Y'a rien sur lui là. Bébé. Aidez-moi. Ah putain, y'a une porte. Non mais sérieusement quoi. Oh, c'est pas possible. Proche. Je comprends pas. Ils font sonner un téléphone mais y'a une porte qui s'ouvre là, c'est pas logique. Hein. Je me retournerai pas les mecs, c'est pas la peine de... Voilà, bah oui, forcément. Qu'est-ce qu'on est bête aussi. Génial. Je dois marcher sur le rebord, c'est ça. C'est pas forcément... Tu as promis, je n'ai rien promis, je n'ai rien. Quoi? Je vais te calmer. Hein. Il y a une porte derrière moi, c'est ça. Non. Tu vas te calmer là, tout de suite, hein, ça serait bien. Où est la porte? Il n'y a pas de porte. Ok, donc je fais quoi? Je saute? Je peux pas sauter. Si. Ah, on peut sauter, je crois. Je suis mort? Ah non, je suis pas mort. Donc il fallait que je saute. Ouais, il fallait que je saute, c'est sûr et certain. Ça reste quand même une partie assez longue, hein. Je sais pas combien de parties de vidéo je vais pouvoir faire avec ça. Mais... Ok, donc je reviens ici. Une armoire qui est tombée, c'est marqué 8, 5, 3. Eh ben, fallait le savoir. Alors, 8, 5 et 3. Faut que je le refasse. Tout à l'heure, je l'ai fait deux fois. 8, 5, 3. Putain, ça s'arrête jamais, hein, sérieux. Je pense que je le repousse. Exact, bon, c'est bon, je l'ai poussé. Bah, 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 c'est vraiment un sacré bordel. Ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais. Ok, qu'est-ce que je dois maintenant finir? Donc là, il y a un nouveau téléphone, c'est ça? Ok, est-ce que je peux toujours le... Non, je peux plus l'utiliser, donc je peux faire demi-tour. Cinq, quatre, mais je peux pas l'utiliser le téléphone en fait. Ah si. 3, 5 et 4. Voilà. C'était ça au moins. Hein. Ah c'est ça. Je veux que je le fasse deux fois. Mais j'ai l'impression que je dois le faire deux fois chaque fois, c'est une belle. 3, 5 et 4. Non, bah, faut peut-être juste le faire qu'une fois en attendant qu'il se passe quelque chose. Et je dois faire quoi maintenant? Expliquez-moi. J'ai composé le numéro, hein. Faut pas que je saute quand même, pas encore. Il y a une porte là-bas. Si je. Non, je peux pas sauter là, c'est pas possible. On va recomposer le numéro, on va essayer. Ah ben, au moment où ça va passer. 3. 5. 4. Donc il fallait le refaire.
Bon, y'en a marre, hein. Putain de merde, je m'en doutais. Puis là, tout il va tomber, c'est ça? Oula, oula, calme. Oula, je suis mort là, c'est ça?